Eh ben salut tout le monde, c'est SGamer54, on se retrouve pour la suite de la Coupe du Monde avec l'équipe de France au FIFA 23. Du coup les amis, quoi qu'il arrive, nous aurons encore deux épisodes pour la série. Du coup j'aurais été jusqu'au bout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on gagne, c'est la grande finale. Si on perd, il y aura quand même le match pour la troisième place. Du coup, quoi qu'il arrive, il reste deux épisodes de la série. Cet épisode là qu'on va faire la demi-finale contre la Belgique. Après, on verra bien à la fin si on va aller en grande finale ou soit la petite finale, évidemment, pour la troisième place. On verra bien. Du coup, là, ça va être chaud. Hein. Là, ça va être très très chaud parce que l'équipe de la Belgique, hein, évidemment, Roumache qu'on va voir et j'ai un petit peu un doute. Hein. Franchement, ça me fait un petit peu peur. Là, pour le moment, ça n'a pas changé depuis, parce que je fais tous les épisodes d'un coup hein, maintenant, parce qu'il reste 3 matchs en tout, du coup là, il reste 2 matchs à quoi, il reste celui-là plus un autre match, du coup je pense que je vais tourner tout d'un coup, du coup c'est pour ça si vous voyez, toujours avec le maillot de l'équipe de France, c'est normal. Et puis je pense, soit à la fin de l'épisode là, ou le prochain épisode, vous aurez le résultat de l'Argentine contre le Mexique, tout simplement. Pour le moment, on est toujours à 0, hein, 69e. Et nous, on va se concentrer pour la demi-finale de la Coupe du Monde France-Belgique. Bah, c'est un remake. C'est un remake de la Coupe du Monde en 2018. En demi-finale, c'était France-Belgique. On avait remporté 1-0. Et là c'est le remake, incroyable. Et l'autre côté c'est Espagne, Portugal, Espagne, Pays-Bas, excusez-moi. On peut avoir un France-Espagne en finale, ça serait énorme. Ça serait vraiment énorme. Allez, c'est parti les amis, let's go, la demi-finale de la Coupe du Monde. Let's go. Ouh, attention. Attention. L'équipe de France, attention. L'équipe de la Belgique. Ils jouent en blanc. Ah bon. On joue en bleu. Et l'équipe des Belges en train de jouer en blanc, tout simplement. Ouh, attention. Attention. Ouh, c'est dommage. Heureusement que la Belgique a bien défendu sur cette occasion. Allez, pourquoi pas la contre-attaque des Belges qui se fait ramener par Pavard qui a vu l'appel. Non, tu n'as pas vu l'appel de Benzema. Oh, le petit hors-jeu là, par contre, les amis. J'aimerais bien revoir son petit hors-jeu. Ouais. Ouais. Ok. Allez. Ensemble, faut faire gaffe à Lukaku. Lukaku qui risque de faire très très mal dans ce match. Plus Lukaku il est titulaire, hein. Il est vraiment titulaire. Et allez, ici Lukaku, la frappe. C'est bon, Hugo Lloris qui a eu très très chaud. Nous on visait la ronde finale, hein. On va pas viser non plus la petite finale. Allez. Allez, Fofana. Fofana qui a été énorme le précédent match. Là, par contre, il a craqué. Il a craqué son slip. Allez. Oh non. Et Eden Hazard. Non. Les Belges qui mènent 1-0 et c'est Mertens. Ouais, c'est Mertens. Pourquoi Eden Hazard, je disais, Hazard il joue pas. Mertens qui marque. Et pour le moment, la Belgique ira en grande finale. Aïe. J'ai pas mis la bonne composition aussi. Pour le moment,
l'équipe de la Belgique, héros en finale pour le moment. Mais ce n'est pas fini parce que regardez Mbappé. Aïe 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 aïe, il faut, allez, faut tout donner les gars. On a du temps, faut pas paniquer, faut pas qu'on s'enchaîne encore un deuxième but parce que là... Non, attention. Allez Théo, non. Aïe. L'équipe de la Belgique qui donne tout. Attention, le centre. Allez Rabiot, gamin. Allez. Tu peux le faire. Allez Antoine Griezmann, le tir est où? Voilà. Allez, Kylian Mbappé. Mais non. Non. Il avait l'idée, mais pas le bon geste. Ah, je suis dégoûté. Oh, attention Lukaku. Oh, le 2-0 qui fait mal. Le 2-0 qui fait très très mal. Et c'est encore Mercedes qui marque. Aïe. Regardez Lukaku qui pouvait tenter. Non, pas du tout. Il fait magnifique passe. C'est le joueur 14 qui marque. C'est un doublé de Mercedes. Aïe. Mais non, les gars, faut se réveiller. On n'est pas du tout. Allez, Benjamin Pavard qui est dans le chou. Allez. Oh. Allez. Antoine Griezmann. Mais non, mais frappe avant, bordel. Ah purée, mais non, mais on n'est pas. Aïe. Honnêtement, je crois pas trop à la qualif. Hein. Faut qu'on arrive à marquer au moins un but avant la mi-temps. Allez Mbappé, voilà. Kylian Mbappé, let's go. Voilà. Et c'est son 9e but. Let's go. Le match est relancé. Allez. Benjamin Pavard. Pavard qui est dans les choux, hein. Il est dans les choux, Pavard. Attention, Lukaku. Oh non. Oh, le gardien. Oh, Hugo. Hugo Lloris, il va vous faire un sacré arrêt. De Bruyne qu'on ne voit pas du tout pour le moment dans le match. Lukaku. Toujours Hugo Lloris, les amis. Non. Allez. Pourquoi pas la contre-attaque? Mais non, mais c'est quoi cette passe de Rizou là? Gardien. Ouf, mon Dieu. Allez.
Benzema, Mbappé, il se fait. Mais il a des petits lags, c'est bizarre quand même. Oh non. Pavard. Allez. Mais non, mais la jubilation. C'est dommage. On applaudit. Parce que là. Aïe 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 aïe, ça va être chaud. Hein. Bon. Là, vous avez compris. On va faire jouer Dembélé. On va mettre Coman à la place de Fofana. Et au milieu, on va mettre Temo Hernandez. Et le dernier remplacement de l'équipe de France, ça sera Olivier Giroud. Après, on verra bien hein, si on arrive à aller. Si on arrive à chercher tout de suite. Bon, attention. Non! Non, Karim Benzema! Oh non! Oh, attention! Attention! Mais non! Il a passé! Lukaku! Lukaku! Oh Hugo! Non! Mais non! Et c'est Mertens qui marque encore! Mais c'est pas possible! Mbappé. Oussama Dembélé. Voilà. Allez. On y croit encore. Purée. Quel match. Quel match les amis. Allez Dembélé. Qui marque un but de plus que Antoine Griezmann et Lukaku. Hein. Allez. On veut pas perdre contre eux. Allez, il faut rester concentré. Il reste du temps. On peut égaliser, mais s'il marque tout le temps à chaque but qu'on marque, il en met une, c'est bon quoi. Allez. Mbappé. Mbappé qui passe. Mbappé, allez gamin, allez Laurent. Mais non, c'est dommage, y'a personne qui vient aussi l'aider. Eh Mercedes, il faut vraiment pas que tu tires lui. Hein. Mais non. On est à 60e. Ça pue, hein. Ah, purée, vas-y. Allez. Allez, Drizou. Allez, Drizou. Antoine Griezmann. Voilà. Allez, là, il y avait Peno, hein. Allez, on fait la dose du crabe. Regardez, il y avait Peno. Hein. Quoi qu'il arrive, il y avait Peno. Hein. Parce qu'il n'y avait pas penalty là-dessus. Il y avait un scandale. Ouais, c'était scandaleux. Bon, là, par contre, là, les gars, il faut se réveiller. Hein, les bleus, là. C'est pour le moment, nous sommes éliminés de la compétition. Hein. Où est Mbappé? Mbappé, Mbappé, mais non, non, mais non, c'est pas possible.
Allez. Oh oui. Oui. Mais non. Mais non. Mais non. Oh, c'est la poisse, c'est la poisse, les amis. Là, il y avait au moins deux buts, quoi. Putain. Allez. Allez. Mais non, pourquoi je fais une passe à lui? Oui. Kylian Mbappé. Voilà, let's go. Un peu de chance, bordel. Allez, Benzema. Ah, oh, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai pas cherché à comprendre, les amis. J'ai vu que la balle venait vers moi. Bim. Direct. Allez, le match est relancé. Et c'est son 10e but en Coupe du Monde. Incroyable. Oh non. 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 Oh, ça y est. Eden Hazard qui rentre. Eden Hazard qui rentre parce que la Belgique, il se dit... Bon, allez, on va mettre Eden Hazard. On va sur Lukaku. Faut pas Lukaku, il marque. Hein. Allez. Ça va être chaud, les amis. Ça va être très très chaud. Non. Oh. Allez. Mbappé. Allez. Allez, Drizou. Allez. Allez. Oh oui, Giroud. Oh, dommage. Allez. Allez, on y croit, les gars. Allez. Mbappé, tu touches pas. Allez, allez, allez. Allez, mais les gars, c'est le match le plus serré. Ouais, c'est vraiment l'un des plus beaux matchs. Hein. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oh non. Mais non. Oh. On a eu chaud. Dembélé, pourquoi pas Dembélé? Dembélé, non! Mais non, Dembélé, t'avais une mâche! T'avais la base de mâche, mon pote! Oh purée! Allez! Théo Hernandez. Lukaku. Oh oui. Ok. Allez. Allez. Allez, Giroud. Allez, Giroud. Allez. Allez. Giroud. Yes, go. Ah, ça y est. L'Argentine a marqué deux buts, les amis. 2-0. Et c'est un but de Fernandez. Voilà. Du coup, l'Argentine, hein, qui reste encore en compétition de la Coupe du Monde. Waouh.
Oh purée, Olivier Giroud qui vient nous qualifier pour la finale. Il vient nous qualifier pour la finale de la Coupe du Monde. Yes, go. Wow. Quel match. Et c'est son troisième but. Troisième but. Yes. Vamos. Wow. Oh là là, quel match. Franchement. Ah, magnifique ce ballon. Magnifique. Non, franchement, bravo à la Belgique parce que franchement, wow. Wow. Ah ben franchement les amis, romache. Très très romache. Franchement j'ai adoré. J'ai adoré cette rencontre. En plus regardez, 24 minutes. La Belgique ouvre le score. Ah non, c'est 2-0 celui-là. Ouais, c'est 2-0. On perd 2-0. Hein. Là, Mbappé, bim, ça faisait 2-1, après on se fait ramener à 3-1, alors là, celui-là, regardez, celui-là c'est nous qui le donnons, hein. Là c'est nous qui le donnons, après regardez, à la 53e, on marque le 3-2, grâce à au but de Dembélé, bien sûr, Ousmane Dembélé, et là après, regardez, à la 60e, nous avons... Toujours le but des Belges. Celui-là est magnifique. Hein. Là, celui-là, on n'a rien à dire. Regardez. Centre, tête, pas décisive. Ah, en plus, c'est le défenseur. C'est le défenseur qui a touché après qu'il fait une passe aux Belges. Et après, bah, les trois buts, hein, les trois buts de la victoire. Antoine Griezmann. Boom. Incroyable. Kylian Mbappé. Ça là, incroyable. Et enfin, le but de la victoire de Olivier Giroud. Boum! J'ai bien fait faire rentrer Olivier Giroud, les amis. Hein. Heureusement, je l'ai fait rentrer. Et après, le but de la victoire. Incroyable. Mais contre qui? Contre qui, les amis, dans le dernier épisode, on va affronter les Pays-Bas. Incroyable. Incroyable, les amis. On va affronter les Pays-Bas dans le dernier épisode pour la finale de la Coupe du Monde. Soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Si vous avez kiffé, vous avez adoré. Et puis, on se retrouve pour l'épisode final de cette Coupe du Monde, tout simplement, avec l'équipe de France, et puis je vous dis à la prochaine. Des bisous, salut, salut.